tout cas, les tests ont été faits, les appareils sont fonctionnels. Il nous reste à bien définir la filière de récupération des prélèvements, parce que l'enjeu, c'est de sécuriser le prélèvement qui va être fait dans un endroit spécifique, certainement pas dans les accueils des laboratoires. Pour l'instant, il est fait dans les hôpitaux et il sera géré de manière à ne contaminer personne sur toute la filière de transport. Concrètement, ça va se passer comment? Vous allez avoir des résultats au bout de combien de temps? Comment ça se passe? Concrètement, c'est des analyses qui durent plusieurs heures. Hein. Donc, on sera même, dès les jours qui viennent, de faire une série par jour. C'est-à-dire que si on démarre vers midi ou vers 14 heures, en fin d'après-midi, on aura les résultats.